Il y a fait oh. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Vous vous dormez. Et c'est Babotak. Il y a dit dans le pays là, on ne doit plus dormir. Toujours quand on dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Hé, je vous ai pas encore dit, asseyez-vous bien. Journal télévisé. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images. Asseyez-vous. On va venir faire le débrief. Aujourd'hui, on va commencer par des nouvelles un peu plus réjouissantes. Notre Olivier Yassé international, comme vous le savez, a une bonne nouvelle pour nous. Au fait, elle a été la grande gagnante du concours multimédia où elle nous a envoyé les messages que votez, votez, Mobstar, que page internet, que je ne sais plus. On a voté, voté, car elle a été première. Actuellement, là, depuis, ils ont commencé Miss Monde depuis 1902. Là. C'est nous, on est premier. Tu vois, quand tu vois un premier, il a dit, on a soulevé ça comme ça. Les Camerounais, oh, les Congolais, oh, les Ivoiriens, oh, les Comoriens. Oh. C'est la Coupe d'Afrique, là, même là. Et même là, elle a déjà gagné ça. Donc là, on dit, c'est le 13 mars, je pense bien, qu'elle va partir prendre la Coupe. Et il sait qu'elle a déjà pris. Parce que déjà, le truc, c'est quoi? C'est qu'elle est la seule qui a gagné le head-to-head challenge, défilé, là, fast track. Top modèle, et puis elle a gagné encore concours multimédia. C'est pareil que celle qui avait gagné, la Jamaïcaine qui avait gagné tout dernièrement, celle qui a la couronne actuellement. Là. C'est la même chose. Donc là, c'est déjà un détail, c'est juste une formalité. Elle va partir prendre la coupe le 13 là, pour venir. En parlant de Yassé, la madame Yassé qui avait disparu là, il y a mise à jour sur elle. Et c'est une de ses amies qui s'appelle Solabio Rocky, je ne sais plus, qui est partie prendre deux gros bras pour la soulever comme ça. Pour jeter son corps dehors d'un taxi là-bas. Donc, on attend encore 3 jours pour avoir les suites des nouvelles. Après notre très cher Olivier Yassé qui a soulevé le nom du pays en haut. Hein? Soulevé. Tellement qu'elle a soulevé, c'est délire soulevé parce que c'était sur la toiture. Et c'est plus sur les nuages dans l'atmosphère ibérique ou bien I don't know anymore. Voici nos éléphants footballeurs. Eux, leur modèle là, c'est pour nous donner crise cardiaque. Ils sont très forts dedans, nous donner les crises cardiaques. Il a pas fait le classement. Donc, comme vous savez, à chaque canne là, il y a les artistes qui viennent pour venir chanter, pour encourager les éléphants. Éléphants, donnez-vous là-bas, éléphants. Mais pardonne-le, portez-vous là-bas, les éléphants. Même depuis un certain moment là, nous-mêmes là, tant qu'on est débat de eux là, les artistes là, même Doremi, un grain de Doremi, sec, rien. Donc, on était assis là, personne ne voulait chanter. Donc, comme ils ont bien joué, ils ont battu l'Algérie là. C'est là que les hypocrites, les hypocrites là, ils se sont levés. Il y a Ariel Chenet et puis Détournant de Bordeaux qui ont fait chanson. Hippo, popo, hippo, hippo, hypocrite. Il y a champion, il y a. Tu coupes le son pourquoi? Pourquoi Nama dit que c'est pas chic? Pardon, pardon. Hippo, c'est d'où ils dansent. Ils sont hippo, hippo. Aïe! C'est pas toi qui te trouves danser quand tu as zambé les mains. La honte. As-tu la quoi? La honte. Et c'est pour toi, hippo, hippo aussi. En parlant d'hippo, hey, notre grande star à la forme rondelée d'hippopotame. Ah! En tout cas, elle a la forme là, elle a la forme animale. C'est-à-dire que, vous comprenez, notre star, elle a été primée au Bénin. Elle a eu qu'à 2 trophées, les 2 trophées là. Elle a eu ça, on appelle ça comment même? Un festival des influenceurs africains. Yeah, mais en tout cas, tu as bien fait. Mais le truc là, pendant qu'elle est en train de prendre les trophées là-bas là, son mari, son ex-grand-père là, il est en train de zouker dans les cuits ici. Hé les enfants, quittez devant les cuits là, vous allez vous blesser. Le monsieur ne se connaît pas. Hé, à la massa. Après, ça pouvait venir dire. Non, non, c'est aussi. Et là, ça, c'est pas ça. Oui, j'étais à mes sorties. GKE. Il était là-bas. Alors là, maintenant, on va aller sur une note un peu plus triste. Vous savez, ces deux temps-là, c'est un peu chaud au Cameroun avec. Il y a trop de morts. On sait, vraiment, on doit trouver le truc qui ne va pas. Il y a trop de morts. Vous savez, juste avant le match Cameroun-Comores, il y a eu une bousculade devant le stade. En 2021, regardez.
ce qui a causé 8 morts et 50 blessés. Ça commence à faire beaucoup de morts au Cameroun là et ça commence à être vraiment inquiétant après l'explosion qu'il y a eu au Leafs. Bon, c'est on peut pas, je sais pas, on sait pas ce qui s'est passé en tout cas. Je sais pas s'ils ont dit bon qu'il y a place entrée gratuite ou bien je sais plus, ou bien ils ont dit ah ouais, il y a un chien méchant ici qui arrive, les méchants arrivent, que courir. I don't know anymore. En tout cas, condoléances aux familles et on a qu'à essayer de faire un peu attention. Suite à cette bousculade-là, il y a la CAF et la FIFA même qui veulent prendre des mesures contre la FECAFOOP ou bien la CAFEFOOP. I don't know. En tout cas, Fédération de football camerounaise, là, ils veulent prendre des sanctions contre eux. En parlant des sanctions, vous savez que le match Côte d'Ivoire-Algérie, il y a eu des trucs, de la débandade. C'est-à-dire, quand le match est fini, là, il y a un supporter algérien qui a couru là-bas, qui a dribblé tous les gardiens, là, les corps habillés ou bien le quoi, là. Et puis, il est monté sur le stade. Eux aussi, les Ivoiriens, comme vous êtes un mouton, vous avez, je sais plus, eux aussi, ils se sont ramassés, vous, pour le suivre. On dit, il y a eu un seul Algérien qui est monté. Et il y a eu plusieurs Ivoiriens qui sont montés. Donc, quand ils sont montés là, on dit comme l'Algérien, il était seul que c'est lui qui a commencé là. Lui, il va payer 5 000, la fédération algérienne va payer 5 000 $ de dommages et intérêts, il ne sait pas de quoi. Et la Côte d'Ivoire, eux, ils vont payer 10 000 $. En tout cas, ça vous a raté. Continuez comme ça. À part ça, là encore, il y a l'histoire d'Affaires de Cameroun. Affaires de Cameroun est devenu beaucoup de... Tout le monde est sur le Cameroun comme ça. Vrai, là, on prend pour se moquer, mais arrivé un moment, ça commence à être lourd. Parce que déjà, non, toi, mouche, faut m'énerver. Il y a trop de choses sur le Cameroun actuellement. Tout le monde dit qu'ils sont en train de tricher, que contre les Comores. En tout cas, contre Comores, là, il y a eu quelque chose. Il y a eu prendre votre défense, mais on ne peut pas aussi prendre votre défense. Il ne sait plus. Il y a eu quelque chose. Plusieurs membres de l'équipe comorienne qui ont été testés positifs. Ika, le sélectionneur lui-même, là même, il était testé positif. Donc, il ne devait pas venir même au stade. Donc, il y a le gardien, là. Lui, le gardien de Comore, lui, ils l'ont pris. Ils sont allés faire test. On dit qu'il est négatif. Mais les gens disent qu'il ne va pas jouer. Donc, ça, là, c'est une petite triche. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Hippo. En tout cas, ça a défavorisé aussi les Comoriens. Mais... Donc, ça fait que tout le monde était contre le Cameroun et tout le monde voulait que Comore gagne. Même moi-même, là, je voulais que Comore gagne. Parce qu'on sentait un peu comme si le Cameroun était favorisé. En tout cas, ils ont fait un bon match, mais ne faites plus ça. Puis, on dit que les gens de Gambie, là, actuellement, là, eux-mêmes, là, même, là, ils ont mis les sachets sur leur tête comme ça. Que eux... Parce qu'il ne faut pas, ils vont dire qu'ils ont Covid. Attention à vous. Puis, si vous avez dit que Côte d'Ivoire... Que nous on a Covid là et on s'est d'abord à la masse, attention. Donc Comore là, c'est un des défenseurs ils ont pris pour faire gardiennage. Nous tous on était derrière et défenseur, faut bien faire défenseur là, on tire, il cale. Arrivé un moment là, on tire, il met son bras derrière, on dit aïe tonton, tu es gardien, tu as oublié. Il dit pardon, non ça là au moins il va plonger là, ils ont marqué. Donc c'est comme ça le Comore a perdu. Pour ceux qui n'ont pas regardé. Actuellement, là, force à nos frères du Burkina et du Mali. Parce que c'est chaud là-bas. C'est tout ce qu'il peut dire. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais là, fait là, c'est bizarre. On dit non, ça va. Non, ça ne va pas. La France a fait tant. Ceux-là, ils ont fait tant. La Russie, il ne sait plus. En tout cas, faites un effort. Battez-vous pour quitter dans cette condition-là. Vous voyez, on en a marre. En parlant d'on en a marre, il y a tonton Jules Beko qui dit, lui, il en a marre que vous, les Camerounais, que vous voulez nous, nos soeurs. Donc, il veut se venger. Il dit, il attend une Camerounaise. Donc, chercher entre les chanteuses, les cinématrices, ceux qui font cinéma, les trucs, tout ça, que envoyez-lui une. Mais vous avez pris ses soeurs gourou, que lui-même, le gourou, que lui-même va se venger. Que c'est une vengeance individuelle. Donc, c'est ça. Donc, chercher une femme, vous allez envoyer à Jules Beko. Et dit les Ivoiriens, vous êtes comment? C'est bon que vous aimez attacher quand... Oui, ça, notre belle-sœur, Mani Bélé, elle est fâchée. Elle dit que même s'il y a affaire de belle-sœur, là, que c'est plus la peine. Que tant que la canne n'est pas finie, là,
ne venez pas la fatiguer, qu'elle est énervée, que la personne qui va passer sur son chemin là, elle, la lionne indomptable qui est dans son corps là, va vous mordre. Vous-même, les Camerounais, je ne vous comprends pas. Depuis on est ensemble là, vous ne savez pas que nous là, c'est attachement. Vous là, vous savez que c'est attachement. Vous aussi, vous toujours vous mettez les organes. Avec nous là, mais si vous voulez là, vous pouvez nous attacher aussi. Aïe, avec ça là, il y a fait des choses dedans. Si on vous attache, vous nous attachez. On vous attache, vous attachez, vous et nous là. C'est jusqu'à la gare, toi et moi, hein, vous et nous, et jusqu'à la gare, oh yeah, yeah. Hein. Donc on ne se fâche pas. C'est comme ça, c'est la vie. Vous avez choisi, vous avez choisi. On va pas dire ça comme ça. Donc, on va dire, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir regardé le journal. Il dit, chaque jour, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Quand vous parle là, vous comprenez pas. Donc là, chaque jour, bonne journée à vous. Et n'oubliez pas de partager surtout. Merci beaucoup. Il dit, moi-même, je suis étonné. Un coup comme ça, il me réveille 14 000 abonnés. Merci. Merci beaucoup, je vous adore. I love you so much. C'est un peu ça, le journal télévisé. C'est comme ça que les journalistes font. Donc, le journal télévisé, il est fini. Allez, si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas.